Salut les amis, bienvenue dans cette deuxième journée de masterclass. Alors ce matin, on part en direction de l'Institut Martiniquais du Sport qui se trouve au Lamentin, à peu près à 20 km d'ici, si on est à Schœlcher. Et on a donc derrière nous les belles plages de sable de Caraïbes. Et on a ce matin un training avec l'équipe nationale, donc l'entraînement avec ce que l'on appelle les athlètes du collectif. Un entraînement un peu sportif, très physique, 2 heures non-stop sur du karaté de compétition, mais avec un lien avec les compétitions traditionnelles japonaises. Cet après-midi, on a nos premières masterclass traditionnelles, historiques, sur notre thématique donc de masterclass, à savoir, pour évoluer, l'art doit-il rompre ou conserver le lien avec la tradition. Donc cet après-midi, ce sera très tradit, mais je vous en parle un petit peu plus tout à l'heure. Alors ce matin, on n'est pas à l'IMS, on est ici à la SPTT qui est en fait le centre omnisport de Martinique. C'est ici que vont avoir lieu les cours, donc le bâtiment paye pas de mine, mais comme on dit, qu'importe le flacon tant qu'on a l'ivresse. L'entraînement va bientôt démarrer, on va aller se préparer. Alors c'est amusant, on ne connaît pas forcément ça en métropole, mais comme il fait très chaud et très lourd ici, on a des endroits comme ça où il n'y a simplement pas de vitres pour faciliter la circulation de l'air. Donc puisqu'il n'y a pas de vitres, pour sécuriser, on met ce genre de grille pour que les gens ne rentrent pas, mais que l'air puisse circuler en permanence. Donc c'est plutôt original. Chamini, ouais. Alors, qui parmi vous, levez la main, est spécialisé en kata? Ok, ça marche. Donc les autres, kumite. Le training, vous le connaissez, c'est principalement de la physiologie, du sport, donc de l'entraînement corporel, à 2/3 de votre pratique pour pouvoir être performant, endurant, explosif, stable. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur le tiers qui touche aux arts martiaux, donc pas que uniquement que à la partie sportive, mais aussi à la partie martiale non expérimentée. On y va? Allez, 6, 7, 8, 9, on monte, 4, 5, 6. Alors les amis, nous voici revenus à l'Institut Martiniquais du Sport où justement ma première masterclass va démarrer. Il y a une télé, vous voyez, hop, elle est là, elle est en train de se mettre en place car c'est un stage qui va alterner des images d'archives que j'ai récupérées du Japon, des choses qui n'ont jamais été diffusées et de la pratique pour pouvoir alterner pratique et images d'archives sur comment retracer la généalogie et l'histoire du karaté, comment comprendre à travers les mouvements l'évolution du karaté, les traditions et donc son évolution vers la modernité. Donc c'est un petit stage là, pour le coup, je vais avoir du mal à vous faire des images. Il y aura des images qui vont traîner de toute façon de la masterclass puisqu'on a une personne qui est dédiée pour filmer. Nous, on se retrouvera donc après, pour le coup, demain, pour la masterclass Goshinjutsu où ce sera un petit peu plus facile de vous apporter un peu plus d'images. Portez-vous bien, à demain.